Het is een fiere ambassadeur, Sakanyi, die samen met federaal minister van ontwikkelingssamenwerking Chastel de bibliotheek opent. De verzameling moet een venster zijn op Congo. Moi, je crois que parfois les mésententes viennent du fait qu'on ne se connaît pas assez. Alors j'ai ouvert cette petite fenêtre, qui est aussi une fenêtre d'opportunité, pour permettre aux uns aux autres d'échanger, de participer, de voir toute la production littéraire et des ouvrages, mais aussi des documents officiels que nous avons hérités déjà de la colonisation et tout ce que nous avons produit entre-temps. In de bibliotheek zijn meer dan 5000 boeken en naslagwerken verzameld. Nous avons une très grande production de livres, c'est vrai, mais il y a aussi des documents officiels, il y a les revues anciennes depuis la colonisation. C'est pourquoi nous ne sommes pas qu'une bibliothèque, nous sommes aussi un centre de documentation. Il y a d'un côté plus de 100 000 photos, il y a de la musique, tout ce que les Congolais ont produit comme musique, vous pouvez le trouver ici. De Panda Fernana Bibliotheek is genoemd naar de eerste Congolese schrijver en intellectueel die in België woonde. Voor de ambassadeur moet dit het adres zijn waar mensen die meer over Congo willen weten terecht kunnen. On a retenu souvent par caricature le Congolais dansant et chantant. Non, il y a énormément du Congolais pensant et écrivant. Ce n'est qu'une synthèse parce que, en principe, ce que produisent les Congolais, c'est énorme. De bibliotheek is ook open voor het grote publiek. Meer info op www.ambardc.eu.